Ah, poussez-vous, poussez-vous, faut que je fasse. Poussez-vous, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Mes viewers, ils sont trop habitués. Ah, les années 80. Je savais que ça vous manquait. Comment ça va-t-il bien en ce Friday? Oui, Friday, on my mind, on your mind, sur le mind de tout le monde. Parce que vu comment on est traité au boulot, franchement, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de rien foutre, quoi. Donc c'est le week-end pour tout le monde, profitez-en les amis. Mettez-vous devant les écrans, prenez l'air, faites ce que vous voulez. En tout cas, vous avez le droit pendant 48 heures de plus obéir aux méga connards qu'on a désignés comme élus, présidents, tout ça. Oui, 48 heures pour pouvoir leur faire le majeur tendu. Non, je fais ce que je veux. Et ce soir, je vous invite à partager un bon plan, donc amener des potes. Ça va être pas mal. Vous allez gagner plein d'argent. Vous allez devenir beau. Peut-être intelligent, peut-être. Non, je reviens en arrière pour le dernier truc. Ah bah, à moins d'une grève, ça sera pas possible, les gars. Alors, pourquoi tant d'euphorie dans The Big Game of Ski pour cette émission qui est pas prévue, vu que c'est écrit fun? Bah, tout simplement parce que j'ai eu le bon plan par un collègue Betraf, un jeune qui a une petite chaîne qui débute là, sur, comment ça s'appelle, là, les trucs où ils font des machins sur ordinateur, là, du hacking. Oui, Chaos. Chaos qui a lâché comme ça sur un Discord et a fait Sonic 2, il est quand même gratos, jusqu'au 19. Alors qu'est-ce que vous attendez? Moi j'ai pas attendu, j'ai foncé, j'ai fait « Ah, putain, ça fait trop longtemps que j'ai pas rejoué à cette cochonnerie. » Et du coup, le test de ce soir, c'est voir qu'est-ce que ça donne de jouer à Sonic 2 bah, tout ce temps après, qu'on l'a jamais retouché. Alors, pour être vraiment, vraiment honnête, j'ai jamais eu de Mega Drive. Non, moi, j'avais choisi l'autre côté de la force, les micros. Et on a ou un micro ou une console, mais les deux, c'était très difficilement cumulable. Et donc, je me suis contenté de quelques parties quand j'allais chez un pote qui avait une Mega Drive en disant « Oh putain, fais-moi essayer quand même, s'il te plaît, fais pas ton rat. » Et du coup, je le trouvais génial. J'avais essayé le premier Sonic, le tout premier, mais qui était même pas sur la Mega Drive, il était sur quoi? Sur la Master System. Donc forcément, c'était pas le même rendu. Et aujourd'hui, au Jouail, eh ben, je vais vous emmener avec moi... peut-être prendre la honte dans Sonic 2 parce que je vais pas y arriver, j'en sais rien. Ça va être marrant. En tout cas, le bon plan est toujours actuel. Il est valable jusqu'au 19 sur Steam. Donc vous allez sur Steam, vous cherchez Sonic. Dans la liste, vous allez voir le 2 qui va se lister. Et faites gaffe, c'est pas une version PC. Apparemment, c'est une émulation Mega Drive de ce que j'ai compris. Donc je redoute un petit peu le rendu du truc. Je sais pas si cette conversion a été bâclée à mort. Trop de suspense, on va y aller. Mon pad, il est là. Le micro, il n'a pas bougé. La musique, on va l'arrêter. Et du coup, on va foncer dans ce Sonic qui est dans la Sega Mega Drive and Genesis Classic Collection. Ok. Bah vas-y, fais-moi mal, mec. Tire-moi les cheveux. Alors, jouer à Sega Mega Drive Genesis Classics, Simple Launcher, lancé en mode VR. Ah, j'en demande pas tant. Hein. Je veux juste jouer, madame. Madame, s'il vous plaît. Oula, petite fenêtre sur l'écran. Ça va être comique. Comique 100 peut-être. Une grosse fenêtre. Oui, j'ai vu la taille de celle d'origine et apparemment c'est la résolution du jeu. C'est le jeu. Non, je ne suis pas en train de scratcher l'intro.
Attends, attendez, rassurez-moi, ils l'ont vendu ça? Je vais voir si on peut passer. Oui, notre calvaire est fini, merci, c'est super. Mais je comprends mieux pourquoi il est gratuit, hein, parce que si la suite c'est du même niveau, j'ai très peur. Je rappelle que Sonic à l'époque avait été très très vendu et a dû sa popularité grâce à ce simple fait. C'était vif. J'espère que vif on va pouvoir être. Ouais, photo senti. Ça va, vous êtes prévenus les gars. Je vais aller dans les settings parce que si cet abruti s'est mis dans ma résolution native d'écran, ça peut être une des parties du problème. Je sais pas ce qu'il m'a fait comme stretching d'écran, mais c'est absolument n'importe quoi. Alors je vais faire un petit alt tab, le temps de me remettre le setup derrière, parce que je veux vous voir dans le chat. Il y a moyen qu'on rigole ce soir. Et je voudrais pas être le seul. Alors, pixel scaling. HDQXBR, ça veut rien dire tous vos trucs là. C'est des machins pseudo-scientifiques pour nous faire du bullshit. Moi, je veux juste voir. Il n'y a même pas le preview. Va te faire. Moi, je voulais juste descendre la résolution parce que je pense qu'en QHD, le pauvre pépère va un peu ramer, tellement ça a l'air d'être optimisé avec le fion. On va dire ce qui est. Bim. Back. Eject cartridge. Non, on laisse la cartridge. Il y a du online multiplayer. C'est bien. Extra. C'est quoi? C'est extra. C'est extra. Mais il y a que le crédit. On va voir qui a fait cette merde. Parce que déjà, pour que ça rame sur l'intro, faut pas avoir de honte. D3T. Eh ben, D3T. Prépare-toi à te faire souffler dans les bronches si t'as osé massacrer en émulation ce jeu qui, à l'origine, est quand même vachement bien. Parce que je vais pas te faire de cadeau, j'ai déjà passé ma journée à tester des jeux et il y en avait beaucoup de pourris. Et je suis pas d'humeur. Du tout. Room setting, c'est quoi? Merci, c'est ce que je cherchais depuis le début. Oh, vous êtes du love là. 1920, 1200, on devrait être bon. Qualité simple. Oui, on va pas chercher plus loin. Et puis le language, on va s'autoriser du français parce qu'on est des ouf. B pour accepter. Ok. Et après, c'est A. J'ai pas vu l'écran changer de résolution entre nous. Hein. On va y retourner parce que je. Le gros doute, tout ça. Non, c'est bon. Ok. Non, non, mais je dis rien. Ça va. Allez, room labels. Ça va être tendu de jouer à Sonic ce soir. On va jouer à Alter. À Golden Axe aussi après. Et à Shinobi aussi. Games Library. D'accord. Beaucoup de cinéma pour pas grand-chose. Incroyable. Nintendo! Ah merde, ça marche aussi. Attendez, Sony! Oh! Je suis sur un truc là. Nec! Oh, génial! Il y a un seul truc où ça marche pas. Je vais baisser un peu le son. Et vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a un seul truc où ça marche pas, c'est Amstrad GX 4000! Ah, ça marche plus là du coup, hein. C'est vraiment la merde. Alors, j'ai un affichage parfaitement dégueulasse en écrasé comme ça pour reproduire un 4 tiers. Je sais pas si je vais pas vomir. Sonic and Tails. Non, pas d'intro, pitié. One player, c'est moi. C'est moi! C'est bon, ça va pas être écrasé. Oh, je m'éloigne de l'écran, hein. Je m'éloigne du micro du coup aussi. Ça va être violent. Elle est où ma mitraillette? Y a pas de mitraillette dans Sonic? Mais on m'avait dit que. Mais oh merde! Je tombe, je chute. Bon, faut se rappeler que, mis en contexte, le Sonic de l'époque avait pour lui d'être absolument hallucinant pour la taille des tableaux, qu'on les connaissait pas. Parce qu'il y avait plein de passages, donc il y avait autant de matos
Le shield. Autant de matos pour l'esprit du jeu que pour la partie tableau. Oh, cette zik. Intemporel. Oui, je vais pas super speed. J'en conviens totalement. Blou. Oh, si j'avais pu prendre un chemin haut, ça aurait été merveilleux. Ça fait super strange, parce que j'ai l'écran qui est trop près, donc ça fait un... Je vais peut-être aller voir dans les options si on peut mettre un scanline, que ce soit un peu moins violent. Non. Non, ok, il n'y a pas d'option sous la main. Une fois que t'es dans le jeu, mec, tu te démerdes. Boing, 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 boing. Stingfoot. Oui, non, ça c'est une chanson de Frank Zappa, faut pas mélanger. Regardez-moi ça. The Swift Sonic, le super hérisson qui fait... Non, je veux pas rebondir là. Ah bah, on va rebondir là quand même. Voilà pourquoi nous, les minots de l'époque, on était complètement dingues de ce jeu. Bah, c'est tout simplement pour la vitesse à laquelle il allait à des moments, c'était incroyable. Il faudrait peut-être que je lui saute sur la gueule à lui à un moment. Bon là la zik, on voit que c'est quand même du haut de gamme. Quiche. Quiche. Toujours pas de Lorraine. Ah, on va réessayer. Quiche. Alors je peux faire deux normalement, mais moi je suis vieux, je me rappelle plus du truc. Quiche. 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 Et voilà Lorraine. Lorraine dans sa splendeur qui s'envole en hélicoptère. Comment ça, c'est Robotnik? Non, 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 c'est Lorraine. Et on va libérer les petits animaux. Bon, pour être vraiment honnête, si j'avais la version de la console d'époque, ce serait exactement pareil. Je peux pas engueuler l'émulation. Alors le gros intérêt de ce Sonic 2, c'était ces tableaux complètement barrés. Celui-là qui était particulièrement énervant, parce que si vous vous plantiez de course, vous étiez bon pour un calvaire. Bah là, je suis bon pour le calvaire, parce que je vais descendre au niveau de la flotte, et ça va être un cauchemar sans nom, quoi. Si, un cauchemar avec de la flotte. Mais quand même, une des vraies grosses qualités de ce jeu, en plus de sa vitesse, c'était vraiment ça, quoi. La taille des tableaux qui fait que quand vous les connaissez pas, vous débarquez là-dedans, vous savez absolument pas où le jeu va vous emmener. Je vais attendre. Ah, mais ça s'ouvre pas, ça. Ok, my bad. Boop. C'est logique. À un moment, je crois qu'il va falloir sauter, mais je me rappelle plus quand, c'est une horreur. Alors là, je vais te dégueuler. Alors, je me demande si je vais pas un petit peu plus rapide que la version originale. Oui, je fais du pigeon au ralenti là. Prudence, toujours prudence. Bon, alors c'est pas celui-là de niveau où on se mange la flotte et à un moment faut remonter et c'est un calvaire parce qu'il y a des trucs qui bougent, des parties amovibles, des plateformes. Et vous êtes chronométré, c'est une horreur, faut les enchaîner et à chaque fois je me plantais. Je pense que c'est ce que vous allez voir à partir de maintenant. Oh, joli. Hop, hop, hop. C'est moi un joli boing. Poing, voilà, poing. Non, 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 non. Oh. Pam, 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 pam
va essayer par là, hein. Ça peut être sympa. Où c'est qui me renvoie le pépère? Non, là, oh. Boring. Y'a pas de passage au-dessus. Tristitude. Non, pas la flotte. J'ai l'impression de revenir au début du niveau, quoi. Si je sais où je suis, absolument pas. Je suis perdu. I'm lost in Sonic Ocean. J'ai l'impression d'être déjà passé en plus, c'est horrible. Ah, oh, mais il m'a eu ce connard là! Je suis dangereusement au niveau de la flotte. Hein. À refaire, bonhomme. Non, pas elle. Je suis au niveau de la flotte. C'est ce fameux niveau. Avec ces plateformes à la noix qu'il faut enchaîner. Il y a une petite inertie quand même chez le pépère. Hein. Et donc, du coup, c'est un peu tendu. Voilà ce dont je vous parlais, les amis. Un pauvre Sonic qui va pas tarder à se noyer. C'est loin, hein, la sortie. Ouais. Ah, putain. Ré. Du cul. Putain, oui, non, mais... Vas-y, gros, tu peux le faire. You can do it. You've got the power. Qu'est-ce qu'il était casse-couille ce passage, nom de Zeus, je m'en rappelle très très bien, et c'est pas fini. Eh bah t'y retournes, buddy. Et là on fait quoi? Bah je crois qu'on va crever dans pas longtemps. Hein. Oh c'est de pire en pire, je m'enfonce. Blu. La descente aux enfers. En 5 secondes, ça ne sera pas possible, je le dis tout de suite. Non, c'est pas possible, mec. J'ai tué. Ouais, j'essaie de trouver un moyen d'éviter cette flotte, sérieusement. C'est... En descendant doucement, par exemple, y a pas un passage? Ah non, mais si je me mets pas en boule, il veut pas que ça... Qu'est-ce que c'était crispant ce passage. Regardez l'autre nouille qui s'est plantée là. What? Je suis mort coincé entre deux cubes. Non, c'est pas possible. On va la refaire au ralenti celle-là. Cette araignée ne comprendra jamais la vie. Hein. Oh, le dégoûtage intense quand même. Quoi, c'est entre deux cubes? On l'avait jamais fait celle-là. Allez, tranquille. Hein. Attention, le cube, il va te coincer. Regarde l'eau, elle monte. Et tu restes tranquille. Ouais, c'est... Pense au Sinsemilia. Je crois que c'était le pire exemple à avoir, mais... On va le garder. Parce qu'il était sincère. On va y aller doucement, hein. Paisible. Regarde, une plateforme là. Hop. Va te faire défoncer par tous les orifices, nom de Zeus. Comment ça, la rage est revenue? Bah, à l'époque, je balançais la manette quand même, hein. Faut savoir. J'ai repris de l'air, c'est déjà ça. Hein. Mais j'ai quand même l'air con. Putain de passage débile. Je suis toujours aussi dégoûté sur ce truc. Prends ta plateforme et prends ton temps. Tu fais 12 allers-retours s'il faut, mais pff, on le rate pas celui-là. No fail.
je crois qu'il y a un bumper pour monter par là, non? Ah, purée de... Non, 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 mais les mecs, vous faites jamais ça. Pas un vieux. Comment vous voulez qu'il y ait de l'amour, après? Ça se finit forcément dans le conduit de quelqu'un, quoi. Ah oui, non, mais là, il m'a mis la rage. Regardez-moi cet intergalactique connard qui va me faire crever juste là, allez. Hop! Je suis content d'avoir joué à Sonic 2 à nouveau. Non. Je sais plus jouer à Sonic, je vais mourir. Non. Non, c'est fini. En tout cas, rappelez-vous, le bon plan du moment, si vous allez sur Steam et que vous cherchez Sonic dans les rubriques, vous tomberez sur Sonic 2 qui sera gratos si vous le chopez avant le 19. Voilà, c'était la grosse info du moment. Maintenant, vous pourrez reprendre une activité normale et profiter enfin de ce week-end. Et si vous voulez être décontracté, jouez pas à Sonic.